d'Italie, précipitant son char vermeil, semblable au père de la vie. Mais d'une plainte téméraire, pourquoi fatiguer le destin? À peine au milieu du chemin, faut-il regarder en arrière? Oh, Carlotta, tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux, ma colombe? C'est un long voyage! La tempête, la mer, le froid, le choléra, la dysenterie! Tous ces risques pour... On peut toujours annuler, tu sais, il n'est pas trop tard! Il semble qu'il soit trop tard. Que diable vais-je faire dans cette galère? Je ne suis même pas sûr que mon télégramme arrive avant nous pour les prévenir de notre venue. On en a déjà parlé, Archibald. Je tiens absolument à rencontrer ta sœur et son époux avant de m'engager et de financer ta campagne. Ce n'est pas négociable. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Bye bye, New York. Je vais enfin rencontrer ma future belle-sœur. Depuis tant que tu parles de Jacqueline, tant d'éloges, je suis sûre que nous allons être les meilleurs amis du monde. Enfin bon, espérons. Je n'avais pas prévu qu'on le ferait un jour, ce voyage, et qu'on les rencontrerait pour de bon, ces deux-là. Quand je pense que je ne connais même pas son mari, ce Glenn... Finish. Eh bien, oui, Glenn Finish, comme le whisky. Oh, mamma mia, que c'est amusant. Ah oui, en pleine prohibition, c'est à se tordre de rire. Moi qui ambitionne de devenir sénateur, qui milite pour durcir les lois, pour dénoncer l'alcoolisme montant, ce nom-là est une véritable épine dans le pied. Cette gorgée-là me reste à travers le gosier. Tu es injuste, mon petit bouchon. Ricardo.
bourgeoise, habillé comme un mafieux new-yorkais. Non, mais tu l'as vu? Il est descendu dans le même hôtel que nous, c'est tout dire. Oh ben... En même temps, il n'a pas trop le choix. Le pauvre garçon, il n'y a qu'un hôtel dans cette ville. Et le réceptionniste, tu l'as vu lui aussi? Rougeau, transpirant, repoussant. Et cet accent, quelle familiarité! Je n'ai pas compris un traître mot de ce qu'il me disait. C'est simplement qu'il s'en fout. C'est comme la boisson, il n'a qui supporte pas. Nous autres Canadiens sommes issus d'une longue tradition d'ignorance et de pauvreté. Tradition que nous devons conserver. Mais faites pas dire cela. Pour pas dire cela, mon tendre ami. Déjà en 1897, le gouvernement du premier ministre Félix Marchand créait un ministère de l'instruction publique. Alors tu vois si c'est important. Allez, un petit effort, mon bébéancé. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment cette valise qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la tienne a pu atterrir dans notre chambre. C'est insensé. Mes robes, je ne sais pas, mes robes. On est ce dîner de bienvenue, la déguisée. C'était un coup qu'elle idée si papa me voyait. En un sens, c'est une chance, mon trésor. Nous n'aurions jamais pu trouver un tel déguisement en si peu de temps. Tu es... transformé. Allons-y, ne perdons pas de temps. Mon Dieu, allons. Finissons-en. Oh! On monte à un instant, André. Jacquier, reste calme. Ton frère Archibald de Préjean, Ramier et Quai. Mais lequel des deux est ton frère? Non, mais je ne baisse pas la main d'un homme. Mais là, là, derrière, c'est sa fiancée qui a l'air déguisée. Si je te garantis qu'elle est plus près. Peut-être pas trop près quand même. Vous déguisez en quoi? Ça dit les d'Indiens, ça. Ils savent pas lire outre-Atlantique. Gêne. Que fait-on dans ces tipis? Oh, c'est pas que j'ai peur. Vérifie, on a dû se tromper d'adresse. Madame la baronne, je suppose. Oh, mais vous êtes resplendissante, hein, et tellement décalée. Enfin, je veux dire tellement différente de l'image que je me faisais de vous. Bienvenue dans notre humble saloon. Enchanté, Glenfiddich pour vous servir. Archibald, mon ami, enfin nos routes se chères baronnes. Je suis fort aise de deviser de visu. Avec vous. Oh my goodness! Des Ferrero chic dans les soirées de l'ambassadeur. Enfin, ça, c'est pas du typique. Si je peux me permettre de goûter plutôt nos spécialités, mec, mac local, fruits secs et baies sauvages. Nous rôtissons nos anguilles à la branche depuis des générations. Oui, comme les hommes les galères, en somme. Alors nous tuons l'orignal à l'automne que nous découpons en morceaux que nous congelons pour l'hiver. Certains abats sont mélangés à la bile animale ou transvasés dans de l'écorce de bouleau pour une meilleure conservation, ouais. C'est très typique en effet, hein. En tout cas, n'hésitez pas à vous courir la fraise, hein. Mais voilà, c'est une expression de chez nous qui veut dire que vous pouvez manger tant que vous voulez. Ah, vous êtes fort aimable, ça m'a l'air délicieux, mais j'ai un appétit d'oiseau, n'est-ce pas, Archibald? La vue des bêtes, voilà en France. Mais présente-nous ton ami. Ricardo Cocciente, pour vous servir, madame. Fort aimable. Je vois que lui aussi déguisé en Mac, mais quelle courbe. Bon, n'en parlons plus, prenons place, hein. Madame. Mademoiselle, je ne suis pas encore mariée. Oh, ça ne saurait tarder. L'espoir fait vivre. Père, la furanime des premiers secours, quoi. Encore. C'est ton haleine qui m'a la tuée, franchement, qu'elle a dit que tu sentais le petit canard à la pâte cassée, là. Oh, bah c'est bon, hein, Jackie, c'est facile de se moquer, alors que j'essaie de rendre service. Benida, Archibald, c'est plutôt à toi de faire ça. Je vois que tu t'inquiètes pas trop de son état, hein. C'est une preuve d'amour, ça, hein. C'est pas elle que t'aimes, hein. C'est l'argent et la gaudriole politique. Ne brusque pas, oh, mais j'ai épousé. Tu te fous le doigt dans l'orgnon. Si tu penses que je vais te présenter à papa, le pêcheur de maquereau en poncho à carreaux qui bouffe de la bile de gnou en gelée. Torignal. On s'en fout. Moi bien. Archibald Préjean, jamais je ne présenterai un seul cheveu de ces auto-jetons à papa. Tu n'auras pas un pénis, je romps, tu entends. Oh, le mort est vivant. Ne demande surtout pas ton médecin. Les mains, les bras. Ah, sinon je suis encore un mac.
des Indiens. Les mains sur la tête. Vous avez l'air sur les comme presque dans votre réserve. Je reste sur le champ au colonel Castel. Il délire, non? Il a pris un sacré coup sur le carafon, le parrain du frangin. Aujourd'hui ne sera pas un nouveau Little Big Horn, la 7ème de régiment de cavalerie avec moi. Bon, enfin, monsieur Mazaria, c'est nous les fétiches. Vous êtes déjà qui? Vous êtes au Canada, sur l'île du prince Édouard. Enfin, qu'est-ce que c'est que ton tourlouk? Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marche. Non! 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 Oh, hostile de gris de calice de mer! Oh! Adieu, mon amour! Au revoir, Mme Jackie, Monsieur Glenn, Monsieur Archie, merci pour tout. Ah non, Ricardo, je crois que ça va pas être possible. C'est l'heure, Mme Jackie, mon bateau part dans 45 minutes. Eh ben, il partira sans vous, Ricardo! Tiens, assieds-toi sur cette bûche. Respire un bon coup. Ellie, asseyez-vous lui-même, je crois que ça va vous plaire. Coney Island, le 15 avril 1931. Assassinat du parrain de la paix, Joe Massalia, dit Joe the Boss. Les témoins racontent avoir vu au restaurant Scalpato, Lucky Luciano en compagnie de Joe Massalia. Vers la fin du repas, Lucky Luciano se serait rendu aux toilettes. C'est alors que quatre hommes auraient fait irruption dans le restaurant, abattant à bout portant Joe Massalia. On a retrouvé 25 balles dans son cadavre. Un nouveau coup dur pour la mafia après l'inculpation récente d'Al Capone pour fraude fiscale. Le FBI est sur les dents et renforce la surveillance des docks. La chasse aux gangs est à son apogée. Mais ça va dire que tu vas être arrêté. Tony Masseria et porte le même nom qu'Al Capone. Et qui va tomber dans les filets du FBI comme un joli petit Macron? Carota! Bingo! Donnez-moi vos pauvres, vos exténués. Qui en rang serré aspire à vivre libre. Oh, tout de même, quel talent, Lamartine ! C'est pas du Lamartine, non. C'est ce qui est écrit sur la stèle de la Statue de la Liberté. Le rebut de vos rivages surpeuplés, envoyez-les-moi les déshérités que la tempête m'apporte. De ma lumière, j'éclaire la porte d'or.